J'entends quelqu'un taper dans une caisse et c'est pas bon ça. Oh merde, ils sont rentrés. Ils sont rentrés, c'est foutu là. Non, non, c'est pas foutu. Allez, ton dernier repas. Allez, au revoir. Oh, nickel. Nickel, nickel. Salut tout le monde, c'est Julius. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette aventure avec mon petit Rick. Mon petit Rick, bien sûr, qui a perdu sa base. Dernier live que j'ai fait. Bon, c'était peut-être une erreur de ma part d'avoir attiré tous les zombies. Bon, je pensais aussi que ma base était bien sécurisée. Mais bon, maintenant on se retrouve dans une petite maison. J'ai perdu ma base. Va falloir essayer de la récupérer, ça va pas être chose facile. Parce qu'en plus j'ai laissé toutes mes armes dans ma base. Bon, ça va être très compliqué. Je sais pas comment je vais faire, soit je vais tous les cramer, ou soit je vais devoir les tuer un par un. En espérant que dans cette maison là, ils débarquent pas les zombies, parce qu'elle est pas sécurisée. Après je me suis un petit peu éloigné quand même. Alors ma base elle est ici. Il y a un paquet de zombies dans ce coin là, il y en a aussi ici, et moi je me retrouve là. Coincé dans cette petite maison à côté de la chapelle, en espérant que ça me porte pas préjudice. Au pire je suis juste à côté si je meurs, mais bon, je commence. Je vais juste enlever ça comme d'habitude, parce que ça sauvegarde pas avec Nidano quand je les enlève. Voilà, on va laisser ça comme ça. Le bonheur, oh, le bonheur, je peux l'enlever. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va rester dans le calme. Il est 22h, il va fumer. Et je vais tenter de dormir ici. Heureusement que j'ai pu m'échapper quand même. Je sais pas comment j'ai fait de m'échapper de ma base. J'ai dû sauter. Et je me suis pas cassé une jambe en sautant. Mais pourquoi tu te réveilles à 1h40, Rick, là? C'est parce que t'es en dépression. On va essayer de te faire passer ta dépression, là. Voilà, un petit peu la dépression, on fait passer. Voilà, un petit journal. L'ennui et le stress. Arrête de tousser. Allez, on accélère. Ça va pas passer. On va manger de nouveau des sucettes. Heureusement, je les ai gardés, ça. Hein. Il galère. Il galère. J'ai oublié de mettre ça aussi, là. Ouais. On va éviter de trop faire caca partout, ici. Mais moi, j'ai encore une sucette, là. Allez, on va accélérer un petit peu. Il va dormir. On va attendre qu'il puisse dormir de nouveau. Ouais, bah, ça, c'est pas cool, ça, hein. C'est vraiment pas cool, on va vite aller aux toilettes. C'est une nuit de misère. Alors, pied droit, voilà, je suis plus blessé, c'est magnifique. Alors, on va juste prendre la lampe torche, tranquillement. Alors, je devrais faire vraiment doucement maintenant. Hein. Je suis obligé. J'espère qu'il n'y a pas de zombies. Hein. Faites pas les fous, je vais vite aux toilettes. Antidépresseur. Ah bah magnifique ça. On va prendre le petit cachet. Bon, il n'y a pas de porte. Attention quand tu fais tes besoins, Rick. Hein. On va déchirer juste du tissu déchiré. Enfin, on va prendre du tissu déchiré ici. Juste pour nettoyer les petites fesses là, parce que rien ne va plus. Rip. Ok. Nickel. Allez, nettoie-toi les fesses et maintenant je veux que tu partes dormir encore. Sinon on va passer une journée de misère et j'ai pas très envie. Tu vas remettre ton pantalon. Bon, finalement, j'arrive pas à dormir. Je vais prendre un antidépresseur vite fait. Je sais pas si ça va changer grand chose. Et dans le stress, je vais retenter. Allez, dors un petit peu, c'est pas grave. Oh, nickel. Il a réussi à dormir un petit peu. Je vais te faire refumer une fois de plus et on peut sortir.
Allons voir comment ça se présente dehors, parce que si je dois fuir très loin, je le ferai. Ah, il y a des gants en cuir. Bah tiens, tu vas les enfiler. Ça fera une petite protection pour les mains. Eh oui, tout se rit, tout seulement. Ouais, il y a un petit zombie là. Salut! Éveillé, ouais, je suis bien éveillé là. Fait bien jour. Voilà, meurs. Bon. On va sortir. Bah tiens, il y a un petit 9 mm là. Ah, je sais, je jette de nouveau par terre, j'ai pas le choix. Allons voir dehors. Je sais que je pourrais pas me rapprocher de la base, à part si je peux récupérer ma base, mais je peux éloigner les zombies. Hein. Faut que je les fasse tous sortir. Hey, salut petit zombie. Ça va, attends. J'ai pas besoin de toi ici. Voilà. Meurs. Bon. Est-ce que je prends un véhicule pour éloigner tous les zombies en bas? Un peu plus loin, mais en fait, je sais pas comment je vais pouvoir revenir. Hein. Hey, ici, c'était la misère. Hein. Je pense qu'il va falloir que je fasse très doucement pour retourner à ma base. Hein. Ici, c'est devenu dégueulasse avec tout ce que j'ai cramé. Carte de Louisville, voilà, ça, je compte pas y aller tout de suite à Louisville. Hein. Alors, deux petits zombies à tuer. Vite fait, bien fait. Ça va pas le faire si je me rapproche de là-bas. Voilà, il a toussé. Et ils arrivent. Ah, il y a un Springfield. Ah, il y a des boîtes de 45 à barres protéinées, j'ai vu. Ah, ça peut être très bien, ça. Allez, il est en train du rampant. On va s'occuper du rampant, là. Voilà, nickel. Je vais juste la barre protéinée, là. Ça pourra peut-être m'aider. Voilà, nickel. Alors, boîte de 45, je vais quand même le récupérer. 45 ACP, un chargeur est en place. Ah, je sais, je jette de nouveau par terre. Mais c'est pas grave. Barre protéinée. Voilà, nickel. Oula, 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 il y a un petit zombie. Ah, voilà. Ah, tu m'as entendu tousser. Hein. Voilà, meurs. Bon. J'hésite à partir en voiture en bas. Ah ouais, mais il y a du monde encore ici. Je pense qu'il faudrait que je les écrase ceux-là. Ça fera trop si... Alors, pistolet 9 mm. Il me reste juste combien de munitions de fusée à pompe j'ai. J'ai encore deux boîtes de 9 mm et 86 munitions de fusée à pompe. Ça va pas suffire. Hein. Oh, vous savez quoi? De toute façon, j'ai un autre véhicule en haut. Je vais pas avoir le choix de les écraser. Sinon, je les éloigne un petit peu. Allez, veillez, ça descend. Hein. Bon, finalement, en fait, il y a trop de monde. Il y aura trop de monde ici pour tous les écraser. Si je peux faire au moins déjà une partie. Bon, allons voir les dégâts. Les dégâts de la base. ce sera déjà ça. Oula, oula, non. Non, 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 pas ici, pas ici, pas ici. Eh, je vous réunis vite fait. Hein. Bon, ça lag un petit peu dans le secteur. Hein. C'est bien normal. Et dire que je me suis enfui par là. Moi, je veux juste récupérer ma base. C'est en train de tout casser là, c'est Sanigo. Allez, je suis rentré par là. Hein. Allez, c'est parti. Je le fais quand même. Venez, venez, venez. Bon, c'est juste pour les éloigner. On va faire ça. Je vais aller très doucement pour les attirer plus bas. On va venir ici et je pense que je vais peut-être pouvoir tous les cramer quand j'aurai l'occasion. Ça fera déjà au moins une petite partie d'éloigner. Ah ouais,
Ah ouais, il y en a encore beaucoup ici. Hein. Bonjour. Ma pauvre vache. Oula. Oula, oula, oula. Oula, mais il y a trop de monde à l'intérieur là. Oh. Ah non, c'est juste la veste. Pas besoin, il fait trop chaud. Il y a trop de monde. À mon avis, je vais galérer. J'ai galéré à rentrer de nouveau dedans. Eux, ils ont même pas suivi. Comme je lag. Il y a trop de monde au même secteur. Alors, mon dernier petit chou. Ah, dépression moins 10, c'est ennui. Hein. Ouais. Faut que je me trouve à manger. Hein. Ça va être une priorité, ça aussi. De trouver un petit peu de nourriture. Ah bah tiens, il y a des piles ici. Et ça, c'est un petit couteau. Hein. Ouais, bande de vilains. Ça et quoi? Je vais aller voir juste en haut. Pour voir s'il y a du monde. Sinon, je fais un petit coup de fusil à pompe ici aussi. Ouais, je vais faire ça. Soit ça part en vrille, soit je m'en sors. Bon, tu vas quand même manger ça, hein. Tant pis. Tu vas manger le chou. Tu vas fumer une cigarette. Je vais faire comme les autres fois pour les éloigner. Hein. Avec un peu de chance, peut-être ceux-là d'en bas, ils vont venir ici. Hein. Ouais, éveillé, éveillé. N'aie pas peur, Rick. Là, t'as pas le choix, hein. Avec tous les zombies qu'il y a. Allez, c'est parti, 86 balles. Est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Ici, de toute façon, c'est toujours le combat à mort. Hein. Ouais, c'est parti. Premier coup de feu. Quelle idée de perdre sa base. Quelle idée. Voilà. Oh, viser plus 1. Ça, c'est magnifique encore. Venez. Comme j'ai que 86 balles, faut que je chope un maximum de zombies à chaque fois que je tire. Ouais, sortez tous de votre trou là. Ah, parce que j'ai tout perdu maintenant. Hein. La prochaine fois, ce sera avec le feu que vous allez mourir. Voilà, nickel. Attendez, laissez-moi traverser seulement. C'est juste rebelote, une fois de plus. Allez, au moins la visée va augmenter. Comme ça après je pourrais tirer au pistolet. Ah, tu crois que je t'ai pas vu toi là, ici là. Voilà, une horde de zombies. On en a marre. J'en réunis encore quelques-uns. Et je les éloigne. Au moins ce groupe déjà. Bon, il est midi 50, j'ai encore un peu le temps. Oula. Oula, oula. T'es de capuche et tout toi. Je vois les zombies mais tu vas y passer hein. On va s'éloigner. Il y a trop de zombies hein. C'est pas possible. C'est de l'arnaque pour moi. Hop hop hop. T'approches pas toi. Allez suivez. Ah c'est presque impossible là, que je m'en serais sorti hein. Presque impossible, ça c'est sûr et certain. Non, 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 non. Faudra que aussi je fasse la petite barbe à mon petit Rick et les cheveux. Hein. Il, est trop, il a trop de barbe. Allez, faut suivre. Garde surtout beaucoup d'endurance. Là, faut gérer l'endurance là. Voilà, jusqu'à l'intersection. Ils suivent tous, hein, bien sûr. Allez, maintenant, faut courir. On va les semer. Hein. Voilà, comme ça, Rick, il sera moins dans le stress. On va traverser ici. Oh, ça aurait été mieux que je les crame tous, hein, quand même. Hein. Voilà, ils montent tous en haut. On va vraiment bien s'écarter pour éloigner déjà ce groupe.
Je demande si au bout de la rue, là, il n'y aurait pas une petite base ou une petite maison, enfin, juste dans cette, au bout de cette rue. Mais je crois que Utopia s'arrête à la limite, là. J'ai quand même allé voir. On ne sait jamais si je dévoile un peu vers là. Allez, continue de monter, hein. Suivez, suivez seulement. Ah. Ouais, en fait, il y a des petites baraques qui sont ici. Je ne savais pas du tout. Ah bon, les petites baraques, c'est les fermiers qui traînent ici, hein. Alors pourquoi pas trouver peut-être une arme? Parce que si quand celle-là va casser, j'aurai plus rien. Ah ben voilà une bonne petite maison. Ça c'est nickel. Alors petit zombie, t'es où là? Je veux peut-être au moins peut-être passer la nuit dans cette maison. Allez, j'ai marché sur le verre là. Ah voilà, je t'ai entendu. Ah voilà. Oh, mais t'as une hachette toi. Elle a une hachette celle-là. Peut-être pourquoi j'ai peut-être de la chance là. Alors. Tatatam. Ah, tactical axe. Ça, c'est bien ça. Alors, petite maison. Est-ce que c'est calme ici? Est-ce qu'il y a à manger? Ouais, souris. Déjà, je peux boire. Bouillon de bœuf. Magnifique. Eau gazeuse. Une petite fourchette. Je vais aller voir à l'étage. Ah, mais si je trouverais un petit PNJ là, ça m'aiderait tellement. Les toilettes. Ok. Très important à savoir. Avec mon petit mode. Une belle petite chambre. Oh, une veste, j'en ai pas besoin. Ah, mais je sais pourquoi je suis peut-être dépressif. Je vais faire un truc, je vais me laver vite fait. Lave-toi. Voilà. Comme ça, t'es plus propre. Tu vas laver tout ce qui est équipé. Voilà, ça fait du bien. Hein. Ok. Là, c'est bon. On va voir les autres pièces. Ok, à personne. Alors, c'est quoi ça, Rosa Office? Non, ça, on s'en fout. Ah, une petite cassette de Medal of Honor. C'est vrai que c'était un petit mode que j'ai rajouté sur la partie. Alors là, il y a un petit pantalon. Un petit jeans. Je vais quand même le changer. Voilà, comme ça, t'es en jeans. Et ça, on laisse par terre. Là, il est tout propre, Mourik. Bon, pas pour longtemps, à mon avis. Hein. Voilà, et ça, c'est une veste aussi. Hein. Bon, comme il fait trop chaud, c'est pas la peine. Allez, inaugure les toilettes d'ici. On va inaugurer. Nickel. Va falloir que je me trouve des bouteilles de whisky ou des choses comme ça. Pour pouvoir me faire un petit cocktail Molotov. Vu que j'ai tout laissé aussi devant ma base. C'est pas cool. Allez, on sort. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant dans le secteur là? J'ai l'impression qu'à gauche et derrière, enfin, c'est des petits champs. On va aller voir vers là-bas. Je gagne bientôt un petit point en vivacité. Ah voilà, il y a une maison là. Alors pour le moment, je peux pas retourner dans la ville. Hein. Impossible. Alors, mine de rien, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a personne ici. Hein, en zombie. Alors. Oula, 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 je voulais pas ouvrir la porte moi. En fait, j'ai fait un clic gauche, j'ai ouvert la porte, mais bon. Ok. Pourquoi il y a autant de morts ici, là? Pourquoi il y a autant de morts? Hey, médecin! C'est bon, il n'y a personne. Oula, 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 oula. Voilà. Veste médicale. Le pauvre. Je crois qu'il faisait des expériences ici dans cette maison. Pourquoi tu veux... Je pense qu'il voulait aller aux toilettes, un hein, petit zombie là.
Ok, y'a quelqu'un là-dedans? Non, y'a personne. Alors, un petit Bob. Non, je vais quand même pas mettre un petit Bob à mon... Alors, viande séchée. Nickel. Ça, c'est très bien. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de morts, là. Hein. Paquet d'M... Oh, ça, c'est bien. Un paquet d'MRE. Ah, je sais pas pourquoi. Conserve de sardines. Mais c'est bien. On a un petit peu de nourriture, au moins. Putain, je me retrouve à tout recommencer. Hein. Alors, musique de The Walking Dead. Hein. J'aimerais bien la mettre, mais... je pense que les droits d'auteur, ici... Ça va pas être bon. Alors, est-ce qu'il y a des petits livres? Non, y a rien. Bon, on va descendre en ville. Allez, on y va. Tranquillement. Oula. Un chemin avec la forêt comme ça. C'est jamais bon. Hein. Mais de toute façon, je reviendrai ici. C'est pour dormir en haut. Hein. Non. On y va le lendemain. J'ai vu qu'il est 18h30. Au mieux que... Sinon je vais arriver et il va faire... En... Ça va être en pleine nuit. Je vais visiter ce petit... petit endroit. Alors, est-ce qu'il y a des zombies là, pas loin là? Non, il n'y a personne. Ok, dis-moi que t'as des ressources là-dedans. Bonjour. Ça va rien de dire bonjour, il n'y a personne. Alors là, il n'y a rien. Du fil de fer. On n'est pas spécialement besoin. Ça, je vais déjà lire quand même. Oh, une pioche, une masse. Et il y a un petit vinyle. Et du canister 4G. Ouais, c'est pas pour mon arme, ça. Attention. Hein. Oh, mais il y a des belles choses ici. Hein. Du fil 4570. Il y a une scie. Que de toute façon, j'ai laissé à ma base. Je vais la prendre. Une machette. Une machette qui est intéressant. De toute façon, je vais pas pouvoir faire tout au fusil à pompe. Hein. Sinon, je vais de nouveau tous les attirer. Machette. Pelle à neige, pas besoin. Là-dedans, il n'y a rien. De toute façon, on va y aller avec la pioche en premier, avant la machette. Alors, fusil à pompe, je vais laisser là. Pas dans la maison. Voilà, il est là. Avec les munitions. Je garde juste le pistolet. De toute façon, les munitions, j'en ai plus beaucoup. On va mettre en boîte. Voilà. Et ça, c'est cool. Maintenant, on peut aller dormir. A few moments later. Ouais, j'ai dormi un peu trop tôt. Hein. Il est 4h. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Et ce que je vais faire, maintenant on va falloir partir en ville. On va essayer d'aller petit à petit. Pour tous les tuer. On va prendre le petit chemin. Et on va y aller petit à petit. En soi, je suis obligé de récupérer ma base. J'ai trop de choses là-bas et en plus. J'ai tous mes choux. Le générateur va pas tenir longtemps. Quand le générateur va s'éteindre, tous les choux, ils vont tous pourrir. Oula, t'es où? Ah, t'es en bas. T'es juste là. Là, c'est très risqué hein, avec le brouillard. Voilà, merci, au revoir. T'as rien d'intéressant sur toi. Au moins, toi, t'es morte. J'aime pas là. Hein. J'aime pas en plus le brouillard là. On se croirait à la Silent Hill. En pleine forêt, Silent Hill. Je crois que ça va beaucoup me fatiguer hein, la pioche. Allez viens. Nickel. Ah, c'est pas une bonne idée hein, de venir là. Hein. Mais chaque zombie tué, ça fera un zombie en moins. Alors comme j'ai mis le respawn des zombies, il faut surtout que je revienne aussi en ville. Pour pas que ça respawn. Bonjour. Il y a du monde encore ici ou vous êtes tous partis? Je vais voir si je peux pas utiliser un véhicule. En soi, j'ai mon autre voiture en bas. Que je vais récupérer. Mais bah, pas maintenant, Rick.
Pas maintenant, faut faire caca là. Allez. Nickel. Ça améliore ta fitness en même temps. Bon. Pas le choix. Allez, on descend. Que je regarde. Comme par hasard, il y a du brouillard. Hein. Ça m'arrange pas, ça. Hein. Alors, si c'est déchiré, déchiré sale, on va le ranger. Alors, peut-être ce véhicule pour être en bon état. Il a... Il a l'air assez sympa quand même. Il n'y a rien dedans. Regarde juste dans ce véhicule s'il y a quelque chose, s'il est en bon état. Ouais, nickel. Donc comme je l'avais dit, surtout pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, je me suis loupé à la création de la partie. Pour les véhicules, normalement j'aurais dû les mettre en mauvais état. Mais bon, je me suis trompé. J'ai fait trop vite. Alors cartouche de cigarette, ça on va prendre. Des pansements, on sait jamais. Et on va faire les fils. Je sais pas s'il y a de l'essence. Ça. Ouais, nickel. On va le laisser là. Ça va peut-être attirer du monde. C'est la furtivité, je peux bien l'augmenter aussi. Oh, mais à chaque fois en fait. Oula, oula. Dans ces quads, à chaque fois, il y a toujours des belles choses derrière. J'ai vu qu'il y avait plein de munitions. Et toi, j'ai l'impression que t'as un couteau intéressant. Je sais pas ce que c'est. On dirait une épée. Ah, c'est un couteau, ça. Un baïonnet. Bah, merci. Les moindres choses, je vais prendre. Comme on peut voir, il y avait un canister. Hein. Un petit canister, enfin... Putain, ça m'a effrayé. Voilà des munitions, ici. 7,62... C'est quoi, je vais tout prendre. 5,56, 7,62. Ah, émotionnel, on va tout mettre là-dedans. Ça sera mon véhicule. 5,56, 45, 223. Alors en soi, je peux retourner ici. Hein. J'ai laissé des armes. Et j'ai bien fait de laisser des armes dans le moule. Mais je sais pas si tout le monde est sorti. Ça, c'est une bonne idée d'y retourner. On va peut-être manger une petite conserve de sardines quand même. Alors, je sais pas comment depuis le début de cette saison 2 avec Rick, j'arrive à m'en sortir, mais c'est toujours limite. Le pire qui est arrivé, c'était quand j'étais à bout de souffle. Avec les zombies. Qui me suivaient à bout de souffle. Ils m'ont pas rattrapé, j'ai réussi à faire une esquive. Pour voir pour la prison. Malgré que c'était pas une prison... Finalement. Allez, on va courir. Ah, mais c'était ce camion que je voulais récupérer. Mais à mon avis, il n'y a pas en bon état. Allez, il y a du monde dedans. On va courir. Bonjour. Bonjour, petit zombie. Il faut sortir, je crois. Il faut sortir de là. Je suis sûr, ils sont tous montés en haut. Voilà, meurs. Toi aussi. Voilà. Esquive entre les deux. Pas trop de confiance. Hein. Allez Rick, fallait la tuer là. Ouais, toi j'ai l'impression que t'as un beau truc. Très dangereux ce que je fais là. Hein. Très dangereux, t'es très dangereux surtout. Allez, bloquez-vous avec le banc. Ouais, c'est pas l'arme que je préfère, c'est là la pioche. Hein. Mais elle est tellement efficace. Voilà. Vous êtes trop proche, vous êtes trop proche. Allez, on s'éloigne un peu. Toujours utiliser l'environnement. Faut que je regarde s'il n'y a pas une autre AK-47 en haut ou. Une bonne arme à chargeur de 9 mm. Ça, je te prends. Un Glock. On va le prendre. Il y a encore du monde ici ou pas? Ah oui, il y a du monde. Je t'entends. Bon voilà, au moins t'as toussé. Ah, bon, c'est bloqué à la vitre. Alors, tout ce qui est munitions, je vais tout prendre.
Tu vas en avoir besoin pour la suite de cette aventure. Ok, on y va. Il me faut un marteau de nouveau aussi. Faut que je me trouve un petit marteau que j'ai posé à ma base. Voilà, nickel. Bon ben, retour ici. Ça, c'est du 9 mm. Un chargeur est nécessaire. Ne faites pas les fous. 45 LC. Calibre 12. Un de 5,56. Un chargeur est en place. Bah, tant pis, on va prendre ça. Un chargeur est nécessaire. Alors, je sais pas lequel. Type d'arme à feu. Munition de 9 mm. Alors je regarde vraiment ce qui est peut-être intéressant. Hein. Ce que j'ai peut-être laissé. Là c'est pour les protections. C'est quoi ça là? Pilote helmet. Allez, je fais le tour, je regarde. Et vous saurez ce que je vais récupérer de toute façon. Hein. Oh non! Oh non! J'étais en train de fouiller et voilà ce qui se passe. Non, 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 non. T'es sérieux là? Pourquoi? Toi tu meurs. Mais non, putain. Vite, vite! En plus il monte en haut là où j'ai laissé toutes mes... Bah oui! Bon. Vite, vite! Démarre! Ouais, ils montent vers en haut. Hein. Ça veut dire que tous les zombies qui sont en bas, ils vont remonter vers... Oh non, quelle misère! Quelle misère! Alors, j'ai pas eu le temps de vous dire ce que j'ai récupéré, mais j'ai récupéré des munitions, enfin des armes. Ça, c'est sûr. Ah, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool, ça. Ouais, c'est... T'as l'hélicoptère là. Il me fout dans une misère de nouveau là. Faut pas que je remonte par là. Hein. Ouais bah c'est compromis en haut. Hein. Enfin, c'est, j'ai trop de choses là dans mon dans mon sac. Si je dois fuir le véhicule, je vais être trop lourd. Voilà, j'ai récupéré ça aussi. Le Uzi. Alors, je peux temporiser un petit peu. Je peux temporiser, voir si y a trop de monde qui arrive. Allez, y a Mama. Faut que je les tue ceux-là, là. Voilà. Faut que je les tue pour être tranquille. Hop, hop, hop. Non, faut mourir. Voilà, nickel. Ah, je vais tous vous tuer dans ce secteur là. Un hélicoptère qui passe. J'aime pas ça, mais ça, on verra. On verra comment ça se présente. Je vais aller voir à pied. Je vais aller voir à pied s'il y a beaucoup de monde qui a débarqué. Alors là, il y a la petite caisse que je pourrais peut-être utiliser. Allez, meurs, allez, meurs. Meurs, meurs, meurs. Voilà. Alors, en fait, ça va, l'hélicoptère est passé. Il a ramené un petit peu de monde, mais pas trop. C'est raisonnable. Oh, quelle misère. À mon avis, là, dans le mall, c'est revenu. Pourquoi vous m'entendez là? Je vais être bloqué. Je vais vraiment être bloqué. Là. J'aime pas ça. Hein. Allez Rick. Parce que ton endurance, ouais, ça va. On a 90. Hop, 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 hop. Doucement, doucement. Allez. Tu m'en as une au moins. Voilà, enchaîne, enchaîne. Voilà. Nickel. Enfin, je regarde s'il n'y en a pas un qui a un petit briquet là. Voilà, toi tu meurs. L'important c'est que j'ai vraiment une voiture pour fuir. Alors,
Ça augmente la hache, la pioche. 45 auto. Je prends un chargeur en place. Bon, je vais quand même prendre ce pistolet de 45 auto parce que les zombies, en fait, ils ont souvent des 45 auto sur eux. Hein. Paquet de cigarettes. Prends l'arme, on va la mettre dans le véhicule. Ça, c'est mon véhicule pour fuir au cas où. Hein. Si proche de ma base et si loin en même temps. Alors, 45 auto, j'ai qu'une boîte ici, 5,56. Moi, j'ai pas pris de 9 mm. 5,56 et un chargeur en place. Alors, 5,56, j'aurais juste. Ouais, deux boîtes, ça va pas suffire. Ça va vraiment pas suffire. Je vais quand même voir cette petite caisse là. Voir s'il n'y a pas des choses intéressantes dedans. Ouais, bien sûr. Je vais quand même vous tuer, vous. Allez, petit mec de chantier là. Qui passe, mon pote. Vivacité, nickel. Avec ça, je ferai des grosses hordes plus tard. Voilà, meurs. Oh, je crois qu'il y a de la nourriture et de la boisson là-dedans. Je vais les prendre. Je vais être très lourd. Allez, Rick, on a peut-être des provisions là. Boîte de ravitaillement d'un groupe de mystérieux samaritains. Ah bah quel mystérieux. Elle te fait pas enlever que. Par des samaritains là. Allez, on va ouvrir. Et c'est de la nourriture en plus. Oh, c'est magnifique. Du sucre, du vinaigre. Voilà, boîte de bocal et tout. Ah bah j'ai de quoi faire. Au cas où si je dois fuir. J'ai de la nourriture. Ça, c'est nickel. On ouvre la prochaine. Et au pire, je peux aller pêcher. Attends, 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 je suis en train de ranger là. Voilà, nickel. J'ai de la nourriture et je peux pêcher au cas où. J'ai tout ce qu'il faut si je dois fuir. Ça, c'est sûr. Mais faudra que je fuis vers un lac. Bon, Rick. On va essayer de se rapprocher de la base. Si vraiment j'y arrive pas, je vais laisser le véhicule là. Et on verra si j'arriverai à la libérer. Allez, on y va dans le calme et la sérénité.